Mais Jean-Kizito sera suivi par Badiane Badoua, ensuite Sylvie Jean Oromian, et enfin Séguier Souad. Donc Séguier Souad, titulaire d'un doctorat en sciences de langage, maître de conférence de l'université de Ereni. Bon, je m'excuse pour la prononciation des noms qui ne sont pas trop fréquents au Mali. Voilà, donc ce que. Et Julia Psom est là. Julia Psom est doctorante en sociologie au sein de l'université d'Antananarivo. Sa thèse porte sur la dynamique des sports sociaux. Donc, il devra communiquer sur l'enjeu et le problème de l'institutionnalisation de la sociologie au sein de la société d'Antananarivo. Donc, Aratiral Jaona, Josephson, est-ce que vous êtes là? Il essaie de se connecter. Je crois que son audio a un problème. Ok, je pense qu'on va lui donner le temps de se préparer. En attendant, on passe à la deuxième communication pour gagner en temps. Exactement. Ok, donc, Hassana Ismaili Alaoui, doctorante en sociolinguistique. Deuxième année, qui travaille au laboratoire Langue, Littérature, Culture et Société à la faculté pluridisciplinaire Erachidia, Université Moulay Ismaïl. Donc, elle devra communiquer sur la portée argumentative du proverbe dans la négociation au Maroc. Est-ce que Madame Asna Ismaili Alaoui est là? Si vous êtes prête, vous pouvez prendre la parole, madame. Madame Asna Ismaili Alaoui. Vraiment, madame n'est pas prête aussi. Allô? Madame Asna Ismaili, si vous êtes connecté, veuillez prendre la parole. Bon, en attendant, on va essayer aussi le troisième communicant, Oui, le troisième Kwame communicant est prêt. Jean-Kizito. Oui, le troisième communicant est prêt. Kwame Jean-Kizito est prêt. Ok, vous avez la Oui, parole, Kwame je voudrais Jean-Kizito. partager, je vais partager ma présentation. OK. Bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Attendez. Excusez-moi, je suis en train de voir si. Non, c'est un document PowerPoint. J'essaie d'ouvrir le document PowerPoint sur mon bureau. Excusez. Vous avez perdu le document sur votre bureau. Oh, c'est. Je n'ai pas perdu. En fait, j'avais ouvert et puis j'ai fermé. Je suis en train d'ouvrir et puis maintenant entrer. Voilà. J'ai ouvert le document. Maintenant, je vais essayer de partager. Voilà. Vous voyez? Oui, vous avez 10 minutes pour présenter, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Nous répondons au nom de Kwame Jean-Kizito,
pharmacien au Laboratoire national de la santé publique. En ce jour, je vais vous présenter les travaux de mon étude intitulée Étude comparative des teneurs en furosémide dans le Lazélix, comme premier prélevé sur 2 sites de commercialisation à Abidjan. Pour mener à bien notre étude, nous avons adopté le plan qui suit. En guise d'introduction, nous dirons que le furosémide est un diurétique très utilisé dans le traitement de l'œdème et en particulier dans les maladies chroniques pour traiter l'hypertension artérielle et aussi pour mieux utiliser aussi dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Pourquoi nous avons décidé d'effectuer cette étude? Nous avons vu que cette molécule est très indiquée dans est très sollicitée par les prescripteurs dans le traitement de l'insuffisance rénale et en particulier pour les fortes rétentions d'eau. Il était question pour nous de travailler sur cette molécule. Nous avons constaté que plusieurs médicaments ont des teneurs en principe actifs qui sont bas. Et donc, nous avons essayé d'évaluer cet impact. Pourquoi ces teneurs sont basses dans les médicaments à cause surtout de la mauvaise condition de stockage qui va impacter la qualité de ces médicaments. Et par conséquent, lorsque ces médicaments, la qualité de ces médicaments sont impactés, et ça va impacter également la santé des consommateurs, surtout que déjà ils souffrent d'une maladie chronique. Donc, partant de ce fait, nous avons réalisé notre étude sur cette molécule, notamment en prélevant cette molécule, surtout dans la spécialité qui est plus sollicitée par les prescripteurs. Il s'agit du Lazélix 40 mg. Notre étude avait pour objectif de déterminer la teneur en furosémide dans le Lazélix 40 mg commercialisé sur 2 sites commerciaux distincts, à savoir les officines des pharmacies officielles et les pharmacies parterres. Nous avons adopté la méthodologie suivante. Nous avons réalisé un échantillonnage de 300 échantillons qui étaient répartis par 150 sites, c'est-à-dire 150 sites prélevés, 150 échantillons prélevés sur les sites des pharmacies officielles et 150 sites aussi prélevés sur les pharmacies parterres, au niveau des pharmacies parterres. Néanmoins, il faudrait que je note que c'était le même échantillon et le même lot d'échantillons sur les différents sites. Nous avons utilisé comme méthode une méthode de dosage, une méthode chromatographique, qui est une méthode de séparation de mélange complexe, une technique analytique. Pour ce faire, nous avons développé et validé la méthode. La méthode développée nous a permis de déterminer les différents paramètres, à savoir la linéarité, la fidélité, l'exactitude, la limite de détection, la limite de quantification et de quantification en se basant sur l'ICH, qui est un guideline qui est très utilisé en chimie analytique. Et pour comparer ces différentes teneurs retrouvées sur les 2 sites de fabrication, nous avons utilisé le test statistique de Welch. Nous a permis de comparer ces différentes teneurs au niveau des différents échantillons, au cours de nos différents échantillonnages. Comme résultat obtenu, nous avons obtenu différents résultats. Néanmoins, d'abord, nos résultats ont d'abord commencé au niveau de la validation de la méthode. Il fallait qu'on valide la méthode
pour voir si effectivement la molécule au niveau on valide la méthode avec notre substance de référence pour voir si effectivement notre méthode pourrait s'appliquer aux différents échantillons. Donc, nous avons validé la méthode, nous avons évalué les différents paramètres de validation et nous avons obtenu les résultats suivants. La linéarité a été évaluée à partir de la courbe de linéarité et a été évaluée à partir du coefficient de détermination R carré qui était supérieur à 0,999,50. Donc, elle était conforme. Donc, notre méthode développée était linéaire. Et nous avons évalué aussi la fidélité intra-jour, la fidélité inter-jour. Ces différentes valeurs étaient également linéaires parce que le coefficient de variation, cette méthode a été évaluée à partir du coefficient de variation. Et ces coefficients de variation au niveau des fidélités intra-jour, c'est-à-dire les fidélités au même jour et les fidélités à 3 jours différents. Et ces résultats ont été conformes, ont été satisfaisants. De même que le taux de recouvrement. Le taux de recouvrement déterminé a été obtenu, était de 97,9844 à 101,44. Et il était aussi conforme. Les limites de détection et de quantification étaient de 0,0018 et de 0,005 mg par millilitre. Donc, en somme, notre méthode d'abord a été validée et ses paramètres ont été conformes. Donc, nous avons utilisé cette méthode pour appliquer à nos différents échantillons. Et ces différents échantillons que nous avons dosés étaient conformes aussi à la norme USP 44, qui nous disait que cette teneur ou cette quantité de principes actifs en furosémide contenus dans ces différents médicaments devait être compris entre 36 et 44 mg. Il vous reste 3 minutes. D'accord. Le test statistique de Walsh nous a permis de comparer les différentes teneurs retrouvées sur les deux sites de commerciaux. Et il est ressorti que sur les deux sites, les teneurs en furosémide retrouvées dans ces différents échantillons étaient pratiquement les mêmes. Mais néanmoins, le box plot a fait ressortir des quantités qui commençaient à prendre de la valeur, de l'élévation. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux pour la santé. Et ces élévations étaient dues au fait que ces médicaments étaient très exposés aux intempéries. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que notre méthode de dosage a été développée avec succès, c'est-à-dire elle était linéaire, fidèle, exacte et sensible. Et elle pouvait être utilisée en routine pour le dosage du furosémide dans n'importe quelle matrice, mais non, seulement le furosémide dosé à 40 mg. Le test statistique nous a permis de mettre en évidence une absence de différence significative des teneurs contenues dans ces échantillons sur les deux sites commerciaux. Et le box plot a permis de relever une certaine élévation synonyme de l'impact de mauvaises intempéries, à savoir la lumière, la chaleur et la pluie sur ces médicaments. Néanmoins, vu que le problème de médicaments de la rue est très sensible en Côte d'Ivoire et en particulier dans la sous-région, le combat que nous pouvons mettre en évidence au sein dans ce colloque est de mettre en évidence une sensibilisation auprès de nos résultats. Les résultats vont permettre de mettre en évidence au niveau du ministère de la Santé une sensibilisation auprès des populations pour qu'ils prennent leurs médicaments uniquement dans les officines de pharmacie, vu que les officines les pharmacies partaient ne conservent pas bien leurs médicaments. Donc, c'est cette perspective que je pourrais mettre en évidence dans mon étude au cours de ce colloque. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci, chers collègues. Merci beaucoup, merci de pouvoir gérer le temps. Vous avez fini votre temps net. Voilà, vous avez fini à temps. D'accord, donc on va emboîter le temps du grand professeur Amal Amal.
Oh, je pense qu'on va passer communiquant suivant et les intéressés vont recenser les questions à la fin. Après le passage de l'ensemble des communicants, on va procéder à la phase question. Je crois qu'on va procéder comme ça, d'habitude. Oui, exactement. Donc, vous dirigez votre panel comme vous le sentez bien. Nous, OK. on assiste simplement. Merci. Merci. OK. Est-ce que Josephson est connecté? Donc, on revient voir Josephson. Aratira Ensuite, Asna Ismaili Alaoui. Vous êtes présente? Sinon, on continue avec Badiel Badoua. Oui, je suis présente. Badiel Badoua, Oui, est-ce que vous êtes là? Badiel Badoua est là. Voilà, donc Badiel Badoua va présenter sur l'évaluation de la résistance au déficit hydrique des quatre variétés des six lignées de sésame cultivées au Burkina Faso, c'est ça? C'est bien ça. Voilà, donc détenteur d'un doctorat en sciences biologiques appliquées qui travaille au laboratoire de biosciences à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Donc, C'est ça. vous avez la parole, docteur. OK. Vous pouvez partager votre écran. Quelqu'un a mis la caméra. La caméra. Voilà. Asana, Asana Est-ce Ismaili. Oui, que Asana. vous Oui, voyez mon écran? l'écran est visible. Asana Ismaili, juste après, docteur, vous allez intervenir. D'accord, Asana merci. Ismaili, alors. OK, excusez-moi, je vais. OK, c'est bon, je peux commencer? Vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous suit. On vous suit, allez-y, s'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. OK, merci bien pour la parole. Notre travail a Merci. pour titre Évaluation de la résistance au déficit hydrique des variétés des lignées de sésame. En guise d'introduction, pardon, la présentation va suivre le plan standard suivant. En guise d'introduction, il faut noter qu'au Burkina Faso, les aléas climatiques sont de plus en plus sévères, ce qui occasionne la sécheresse et un passage entre le calendrier agricole et la répartition des pluies. Pour relever donc le déficit et le défi de l'autosuffisance alimentaire, il est nécessaire d'utiliser des variétés résistantes au déficit hydrique. D'où notre choix qui s'est porté sur le sésame, qui est donc le deuxième produit agricole d'exportation du Burkina Faso après le coton. Mais seulement trois zones concentrent 45% de cette production, à savoir la boue du Moun, les Cascades et les hauts bassins. Mais le sésame, c'est quoi? C'est une plante oléagineuse annuelle à port origé, cultivée essentiellement pour ses graines qui sont riches en lipides, en protéines, en vitamines et en sels minéraux. Le sésame entre dans l'alimentation humaine, dans l'industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et dans l'alimentation du bétail. L'objectif général de cette étude était d'évaluer les réponses physiologiques et agronomiques de ces variétés et de ces lignées de sésame en situation de déficit hydrique continu et en déficit hydrique temporaire. Les objectifs spécifiques étaient d'évaluer la croissance et le développement, de déterminer la teneur en chlorophylle et d'évaluer la productivité en capsules et en graines. Les hypothèses étaient les suivantes. La variété S42 est plus résistante au déficit hydrique, qu'il soit continu ou temporaire. Oui, s'il vous plaît, à Depuis... notre ami Badiel, est-ce que cette Oui. présentation est différente de la précédente? Non, c'est Non? ce que je disais. C'est la même présentation. Oui, c'est ce que je disais, la même présentation. Ah, ok, je Alors, n'avais c'est pas un précisé. ajout à mon Alors, si poste. c'est le cas, je pense qu'on va faire Si c'est la... l'économie. Effectivement, professeur, vous avez raison. Si Exactement, on c'est la va même faire l'économie du présentation. temps, s'il vous plaît. Oui. Badiel va nous excuser. On va faire l'économie du temps et donner la parole
à celle qui voulait vous présenter. Surtout qu'on a déjà un contestant de votre présentation. Je crois qu'il y a eu des questions très pertinentes qui vous avaient déjà été adressées. Ça ne changera pas. Donc, on donnera la parole à Samueline, je crois, pour qu'elle puisse faire sa présentation. Toutes nos excuses, hein, Badiel. Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci bien. Ok, merci professeur pour l'intervention. Maintenant, Asna Ismaili Alaoui, vous avez la parole. Voilà, veuillez partager votre écran. Vous m'entendez? Maintenant, oui. Oui, on vous entend. Allez-y, partagez votre écran et allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Votre écran. Il s'articulera autour de ces points. Alors, au Maroc, le problème occupe une place de premier rang depuis très longtemps. Les Arabes ont manifesté leur goût pour ce type de discours, c'est fort expressif. En fait, l'idée de cette présente recherche vient de nos observations personnelles lors de la réalisation de notre travail de terrain dans le marché de Rachidia au Maroc pour un mémoire de master soutenu en 2021. En fait, nous avons constaté que les acheteurs et les vendeurs ont eu recours au proverbe afin de réussir leur transaction, ce qui nous a posé à se demander dans quelle mesure l'emploi du proverbe pourrait-il aider l'acheteur et les vendeurs à réussir leur transaction commerciale, et quelles sont les différentes utilisations du proverbe dans la négociation, et est-ce que le choix du proverbe est-il toujours pertinent? Et le de parler de la négociation, qui est l'objet central de cette communication. En fait, la négociation ou le marchandage est avant tout une démarche de communication où les parties en présence, vendeurs et acheteurs, recherchent l'entente par des concessions mutuelles pour atteindre un but commun, acheter pour l'une des parties et vendre pour l'autre partie. En arabe dialectal marocain, le mot négociation ou le verbe négocier est appelé shtara. Ce mot est tiré du lexique marocain shatar, qui désigne une personne intelligente, rusée et capable d'assumer la responsabilité, et également dotée de différentes qualités oratoires constituant une force illocutoire sur l'allocuteur ou encore sur l'interlocuteur. Alors, concernant notre méthodologie de travail, nous avons collecter de différents proverbes à l'aide d'une observation non participante dans le souk quotidien de Rachidia nommé l'Oued l'Ahmar. Ces données nous ont permis grâce à cette collecte de données, nous avons pu classifier les proverbes, les différents proverbes, selon quatre situations de communication. Dont l'objet de discussion porte sur, premièrement, l'argent et le commerce. Donc, ce type de proverbe dénoncé par l'acheteur afin d'influencer le marchand. Observons ces deux proverbes. Premièrement, l'imam de flus qui la monsus, qui n'a pas d'argent, a les paroles fades. Deuxième proverbe, l'aqd al-hafak midrajlik, selon la taille de ton lit, tu t'en liquides. Deuxième situation de communication portant sur le commerce et la sincérité. En fait, la négociation via le commerce, dans la négociation et le commerce, on utilise plusieurs stratégies afin d'acheter des articles à bas prix, dont le rire. Cependant, le vendeur n'est pas toujours d'accord avec cette démarche. Il énonce ce type de proverbe. Le rire annule la vente. Et deuxième proverbe,
حبني محبة خوك وحاسبني حساب دوك et même moi comme un frère et réglons le compte comme des ennemis. Troisième situation de communication, il porte sur la qualité et la vente. Un premier exemple, augmente la taille de ton pain, tu le vendras. Si tu en réduis la taille, il ne sera pas vendu. Deuxième exemple, littéralement, donc décor, tu vends. Cette proposition, nous avons proposé cette traduction, vendre, c'est décorer. Ce type de communication, ce type de proverbe est annoncé généralement par l'acheteur. La quatrième situation de communication tourne autour de la qualité de la marchandise et l'achat. Observons ces deux exemples. Frappe le fer tant qu'il est chaud. Et deuxième exemple, quand on fait moitié prix, on en jette la moitié. Ce type de proverbe est énoncé par le vendeur pour mettre en valeur la qualité de sa marchandise et par la suite inciter le vendeur à acheter. L'acheteur a acheté rapidement son produit. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'utilisation de proverbes peuvent contribuer à la réussite et ou à l'échec de la transaction. Bien entendu, cela revient à le choix pertinent du proverbe. Et donc, le proverbe ne constitue pas toujours une arme de négociation gagnante dans le contexte de marchandage ou de commerce. Et merci pour votre humble attention. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci. Merci. Je vous permets de préciser 3 minutes. Merci. Donc, c'est ça, donc, continuons. Nous continuons avec le communicant suivant. J'essaie d'arrêter le... Ah bon, d'accord, arrêter le partage. Sibi Jean-Oromian. Sibi Jean-Oromian. Est-ce que Sibi Jean-Oromian est connecté? Je suis là, monsieur le modérateur. Je suis là. OK, donc veuillez partager votre écran. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, Sibi Jean-Romial est détenteur d'un DSS et un doctorat en psychologie clinique et pathologique, maître assistant CAMES, psychologue clinicien à l'université Omar Bongo de Libreville, Gabo. C'est bien ça, monsieur le modérateur. OK, vous avez la parole. Merci. Notre communication a pour titre, comme vous le voyez, clinique du vieillissement en Afrique et syndrome de glissement, et nous prenons le cas du Gabon. Permettez-nous de vous présenter sommairement le plan. Donc, il y a un cadre théorique et il y a un cadre méthodologique. Et ensuite, nous allons commencer le déroulement de notre exposé. Dans le cadre théorique, nous parlons du contexte. Et s'agissant du contexte, nous voulons situer le pourquoi de cette recherche. Le pourquoi de cet article, en disant que la thématique du vieillissement nous intéresse depuis notre année de DSS, depuis notre stage en DSS au CHU d'Amiens en France, parce que nous avons fait notre stage en psychogériatrie. Et à la suite de ce stage de DSS, nous avons exercé un EHPAD. EHPAD, c'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, nous avons été familiarisés avec la thématique du vieillissement, le vieillissement normal, mais aussi le vieillissement pathologique. Revenu au Gabon, nous avons constaté que l'existence d'un centre national de gérontologie gériatrique. Donc, bien qu'étant enseignant-chercheur, nous sommes intéressés de savoir ce qui pouvait se faire dans ce centre de gérontologie gériatrique, eu égard à notre expérience sur la thématique du vieillissement. Nous avons donc incité nos étudiants de master professionnel en psychologie à aller faire des stages dans ce centre. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est de mieux comprendre le vécu de la personne âgée en institution et
permettre aussi au pouvoir public éventuellement à s'intéresser un peu plus à la thématique du vieillissement et surtout du vieillissement en institution. Parce que nous sommes rendus compte que dans la culture africaine, alors que la personne âgée est sacralisée, que malheureusement, il existait de plus en plus, au Gabon, bien sûr, et au Cameroun, plus proche de nous, des maisons de retraite, comme c'est souvent appelé en France. Donc, nous avons voulu savoir le pourquoi de ce glissement culturel qui a conduit l'existence des maisons de retraite en Afrique. Donc, c'est ça l'intérêt de cette recherche. Et pour ce faire, donc, nous sommes intéressés à des auteurs que nous avons convoqués pour essayer un peu de comprendre ce que c'est que le vieillissement. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont été convoqués, en l'occurrence, Lydia Fernandez, qui est un auteur qui a travaillé sur la psychologie clinique du vieillissement, Jean-Marc Talpin, qui est un auteur aussi qui a beaucoup travaillé sur le vieillissement et qui parle notamment du syndrome de glissement. Le syndrome de glissement étant une pathologie gériatrique. Et donc, nous avons voulu comprendre ce qui se disait d'abord sur le vieillissement en Europe et avant de nous interroger sur le vieillissement en Afrique. Et en s'interrogeant sur le vieillissement en Afrique, et il y a évidemment des auteurs qui ont travaillé sur le vieillissement, notamment des écrivains, et nous avons pensé à Amadou Hampateba, qui est un auteur que nous connaissons tous, pour qui le vieillissement et pour qui la personne âgée est une bibliothèque qui brûle. Et cet écrit de Amadou Hampateba fait écho aussi à ce que dit Louis-Vincent Thomas, qui est un anthropologue qui a aussi beaucoup travaillé sur l'Afrique, notamment sur le vieillissement. Il dit par exemple qu'en Afrique noire, principalement dans les zones rurales, la vieillesse n'est pas vécue comme une déchéance. Le vieillissement se pense avant tout en termes d'acquisition et de progrès, car les sociétés traditionnelles orales ont besoin de leurs vieux, symbole de continuité en tant que mémoire de groupe. Donc nous avons là, monsieur le modérateur, deux représentations du vieillissement, une représentation occidentale, une représentation péjorative du vieillissement et une représentation, dirons-nous, positive du vieillissement. Mais cette représentation positive du vieillissement est nuancée par des auteurs, en l'occurrence Claudine Athias Buffon, qui nous fait comprendre qu'avec la mondialisation, avec l'essiolement des valeurs traditionnelles, que la personne âgée jadis sacralisée ne l'est plus. Et la problématique du placement en institution que nous évoquons ici vient souligner cette effraction culturelle-là, parce qu'avec ce placement, nous voyons que les personnes âgées ne sont plus nécessairement en famille et se retrouvent dans des maisons de retraite, ce qui, sur le plan culturel, constitue une crise des valeurs. Donc, d'où l'intérêt de cette thématique de recherche, comme nous l'avons dit. Et nous sommes partis sur le terrain, et en allant sur le terrain, nous sommes intéressés donc aux résidents du Centre national de gérontologie gériatrique. Et il y a deux cas qui ont attiré notre attention, parce que ce sont deux cas, une femme, Sabine, et un homme, Paul. Ce sont des noms d'emprunt, évidemment. La femme est en placement depuis 5 mois, et au bout de 3 mois, elle a commencé à somatiser, elle a commencé à pouvoir tomber dans ce qu'on appelle le vieillissement pathologique et elle a été diagnostiquée comme souffrant d'un syndrome de glissement. Et Paul aussi a été diagnostiquée comme souffrant d'un syndrome de glissement. Et sachez qu'en psychologie pathologique, le syndrome de glissement est une pathologie qui peut conduire vers la mort parce que les sujets se laissent mourir à travers cette pathologie-là. Donc, le pronostic vital est très engagé pour des personnes qui souffrent de cette pathologie. Donc, il y a eu une alerte clinique, et cette alerte clinique nous a amené à pouvoir nous intéresser à ces deux cas-là. Et nous avons utilisé comme méthode la méthode qualitative, la méthode clinique, donc l'étude des cas, en menant les entretiens cliniques pour recueillir des données et l'analyse des contenus thématiques pour essayer d'étudier le vécu, le ressenti de ces deux cas.
Donc, il ressort des thématiques, hein, plusieurs thématiques que nous avons retenues. Donc, ici, vous avez quelques thématiques soulignées ici. Le sentiment de culpabilité, la castration narcissique, le deuil, la somatisation et l'abandon pour Sabine, le sentiment d'inutilité, le retrait ou le repli social, la dépression, la souffrance psychologique pour Paul. Ce sont des thèmes qui ne sont pas très, très exhaustifs ici. Pour revenir sur nos deux sujets, disons que Sabine vivait avec sa fille aînée et par la suite, elle a été taxée de sorcière. Donc, elle a été rejetée de sa famille, par sa famille. Et c'est ce rejet-là qui l'a amené à se retrouver en maison de retraite, donc au Centre national de gérontologie gériatrique. S'agissant de notre sujet, Paul, il a été placé d'abord dans ce centre pour les soins et petit à petit, il a été oublié et abandonné aussi par sa famille. Donc, d'où l'intérêt de nous poser la question de savoir s'il y avait un lien entre le placement de ces personnes âgées-là en maison de retraite et le glissement et le syndrome de glissement, donc la pathologie avérée que ce sujet présentait. Et donc, cette étude nous a amené à quelques conclusions, à savoir que nos deux sujets nous ont permis de comprendre que le placement constituait une effraction psychologique, un traumatisme qui ébranle la psyché, provoquant alors un syndrome de glissement. Il s'agit d'un état de désorganisation psychosomatique, une conduite régressive qui souligne un état post-traumatique. Ici, l'état post-traumatique est provoqué, bien sûr, par le placement en maison de retraite dans une culture africaine, dans une culture gabonaise, où les personnes âgées, les vieux, comme nous les appelons en général, sont souvent choyées par les familles et par les proches. Or, se retrouver en maison de retraite constitue une castration narcissique, un rejet familial et social. Donc, ce rejet-là se présente sur le plan psychologique à cette pathologie-là que nous qualifions ici de glissement, de syndrome de glissement, qui se caractérise par un fléchissement général associant amaigrissement, dénutrition, perte d'activité, idées morbides et évidemment, parfois mort. Donc, c'est une pathologie grave, c'est une pathologie sévère qui nécessite une prise en charge. Merci, qui nécessite une prise en charge. Qui nécessite une prise en charge et c'est ce qui a été fait. Donc, nous avons convoqué les familles, donc les parents des deux patients et avec ces familles, donc nous avons essayé d'aider les patients à pouvoir les prendre en charge et la fréquentation de la famille a fait que au cours de quelques semaines, petit à petit, les deux patients sont sortis de cette situation pathologique. J'en ai terminé, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la gestion de temps. Vous avez fini à temps. Donc, je rappelle que les questions seront venues après le passage des communicants du panel. Donc, le prochain communicant, c'est Seguir Swad. Seguir Swad, bon, je m'excuse pour la prononciation des noms. Seguir Swad, est-ce que vous êtes connecté? Seguir Swad, vous êtes présent? Ok, donc si vous êtes présent, veuillez partager votre écran. Je rappelle que Seguir Swad est titulaire d'un doctorat en sciences du langage, maître de conférences à l'université de Réli-Izan en Algérie. Donc, le communicant va présenter sur les pseudonymes sur Facebook. Une autre stéréotypisation, crédit cursif, cas de groupe Aragas. Vous êtes là, Seguir Swad. Est-ce que Josephson est présent dans le panel? Josephson de Madagascar. Voilà. Pour ça, il reste ces deux communicants qui ne sont pas peut-être disponibles pour ce panel.
Donc, on va laisser la place aux questions. Oui, on peut aller aux échanges. Ouma, on peut aller aux échanges. Merci beaucoup. OK. Donc, place aux questions. Si vous avez des questions par rapport aux communications présentées. Voilà, moi j'ai une question à l'endroit de Kwame Jean Kizito. Kwame Jean Kizito. Ok, il y a une mère, vous avez la parole. C'est moi qui ai levé la main, j'ai aussi une question pour les deux présentateurs. Okay. Je ne sais pas si je peux les poser maintenant. Vous posez vos questions, oui, directement. D'accord. Vos questions. Alors, effectivement, ma question très rapidement à Kizito. C'est la question de recherche qui a motivé le travail qu'il a conduit. C'était quoi le problème exactement? Quel est le pourquoi du travail qu'il a mené? Et puis, je pense que c'est une évidence hein, pour lui en tant que pharmacien. Je crois que c'est une évidence de faire qu'on conserve mal un produit. C'est une évidence que ça va impacter sa qualité. Est-ce que ça, c'est pertinent pour qu'on en fasse un travail de recherche scientifique sur ça? Ça, c'est ma question à Kizito. Maintenant, la deuxième, elle est adressée à notre ami qui a travaillé sur le vieillissement là. Alors, au niveau du Gabon, quelle est l'approche endogène actuelle par rapport aux personnes âgées? Et comment les personnes, quelle est la figure de la personne âgée dans la société gabonaise actuellement? Quelle est la figure globale de la personne âgée dans la société gabonaise? Voilà mes deux questions, M. Oumar. À l'endroit des deux communicants. Merci. OK. Les questions sont bien notées. Donc, à ces deux questions, je vais ajouter ma question à l'endroit de Kizito. Quelque part, Kizito a parlé du test de Welch. Voilà, le test de Welch pour dans les de comparaison des moyens entre les deux échantillons. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé l'utilisation de ces tests. Voilà. Kizito. Il y a un autre doigt en l'air, hein? Il y a une autre main en l'air. Ok. Je ne vois pas cette main. Oui, c'est la main de Amand Joseph. C'est ça, non? Oui, Amand Joseph. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, oui. Voilà, maintenant je vois maintenant. Vous avez la parole. Ok, merci. Joseph. Alors, je voudrais. Armand Joseph de la Côte d'Ivoire, INGS d'Abidjan. Je voudrais intervenir aussi à l'endroit de l'intervention de Seguié Swad. Voilà, attendez. Non, plutôt de Romuald Sibi, voilà, qui a parlé du vieillissement. Alors, je voudrais savoir, dans son étude, à aucun moment, nous n'avons entendu parler de la qualité des fonctionnaires des maisons de retraite. Alors, pour moi, lorsque une vieille personne est internée en maison de retraite, il y a peut-être ce qui l'a emmené là-bas, il y a l'encadrement des parents qui l'y ont emmené, mais il y a aussi et surtout la qualité des soins et des services qui lui sont offert par cette maison de retraite. Bon, à aucun moment, je ne l'ai entendu parler, comme c'est juste une présentation, peut-être que son travail en lui-même en parle. Ça, c'est d'un. Alors, de deux, je voudrais aussi m'adresser au collègue Kizito, qui est intervenu sur les médicaments de rue. Alors, à entendre ce travail, il me semble qu'au Gabon, c'est avéré et peut-être même que c'est écrit et c'est signé que dans le lot de médicaments fabriqués en pharmacie,
il y a une partie qui va, pardon, fabriquée dans les officines, pardon, il y a une partie qui va directement dans les pharmacies et il y a aussi une autre partie qui va carrément dans les rues. Est-ce que ça aussi, son étude en parle? Parce que tel qu'il a fait son analyse, j'ai l'impression que c'est avéré et que, bon, il faille maintenant aller chercher dans quelles conditions ces médicaments sont conservés dans la rue, contrairement aux conditions dans lesquelles ces médicaments sont conservés en pharmacie. Alors, est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus? J'en ai fini, merci. Merci beaucoup pour la question. Ok, la mère est toujours là, Armandou. Oui, oui, je la retire puisque j'ai fini. Ok. Ouais. D'accord. Donc, les questions sont adressées à Kwame Kizito et notre ami Sylvie. Sylvie de Cabo. Vous avez la parole. Je peux répondre, monsieur le modérateur. Je peux répondre. Ok. Jean-Romuald Sylvie. Allez-y. Oui, allez-y. D'accord, merci. Je vais commencer par répondre à la deuxième question posée par le collègue sur la qualité des fonctionnaires à maison de retraite ici à Libreville, Centre national de gérontologie et gériatrie. Au Centre national de gérontologie et gériatrie, nous trouvons une équipe pluridisciplinaire. Dans cette équipe pluridisciplinaire, il y a des psychologues, il y a 5 psychologues qui sont nos anciens étudiants que je connais très bien. Parmi les psychologues, il y a 2 psychologues cliniciens et 3 psychologues du développement, de la psychologie du développement. Ensuite, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a une assistante sociale. Bref, il y a un personnel, il y a des fonctionnaires qui sont là pour prendre en charge les personnes âgées. Donc, de ce point de vue, il y a quand même une qualité de soins. Mais qu'à cela ne tienne, c'est parce qu'il y a une qualité de soins que le vécu de ces personnes âgées n'est pas un vécu traumatique. Parce que nous sommes dans une culture africaine, comme vous le savez. Donc, se retrouver dans une maison de retraite constitue pour ces personnes un traumatisme. Donc, d'où ce ressenti et ce vécu qui devient pathologique. Donc, on peut bien sûr déplorer... On peut bien sûr essayer un peu de relativiser en disant peut-être que la qualité des soins n'est pas bonne, mais dans mon étude, dans notre étude, ce n'est pas cela qui a attiré notre attention. Ce qui a attiré notre attention, c'est surtout le fait de trouver ces personnes âgées dans cet endroit-là et ces personnes âgées se sentant inutiles, se sentant comme des rebuts de la société, comme rejetées par tous. C'est plutôt ce vécu-là qui nous a alertés et qui a fait que ces personnes âgées se demandent en fait ce qu'elles font là. Au lieu d'être en famille, au lieu d'être avec leurs proches, leurs enfants, ça peut être trouvé dans un lieu avec des étrangers. Donc, c'est plutôt ces facteurs-là qui attiraient notre attention, plutôt que la qualité des soins prodigués par le personnel soignant, prodigués par les fonctionnaires. Donc, voici la réponse que je peux vous donner par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la question du professeur sur la figure globale de la personne âgée au Gabon, le Gabon n'est pas différent de la Côte d'Ivoire, n'est pas différent du Cameroun. Nous sommes tous issus d'un même moule sur le plan culturel. C'est simplement que peut-être ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun à côté, il y a une résidence de référence, une maison de retraite. Et au Gabon aussi, il y a cette résidence-là qui existe, il y a cette maison de retraite-là qui existe. Donc, pour nuancer peut-être ce qui s'est fait dans les autres pays, ici au Gabon, c'est pour cela que j'avais été alerté, mais ce n'est pas parce qu'il y a l'existence de cette maison de retraite que la personne âgée au Gabon est une personne âgée qui est négligée. Non. Et donc, je vais essayer un peu de nuancer mon propos en disant que même dans ce centre de gérontologie gériatrique, j'ai discuté encore avec l'une des psychologues qui est là-bas, à l'heure actuelle, il n'y a que 15 lits. Il n'y a que 15 lits. Donc, c'est vous dire que le phénomène n'est pas un phénomène exponentiel. Donc, ça relativise un peu le propos. Donc, les personnes âgées ont encore leur place au Gabon. Les personnes âgées vivent encore en famille. Mais l'existence de cette maison de retraite nous alerte quand même.
Et c'est pour cela que nous avons voulu travailler sur ça, pour déjà commencer à tirer la sonnette d'alarme, que les autorités publiques et les chercheurs commencent à s'intéresser à cette problématique-là, pour petit à petit relativiser la donne. Très bien. Merci beaucoup. Oui, je vois qu'il y a notre ami Swad qui est en train de partager son écran. Je ne sais pas, monsieur le modérateur, est-ce que pour votre panel, vous avez encore un peu de temps pour qu'on puisse lui accorder la parole pour qu'il nous fasse le cours de la présentation? Je pense qu'on peut l'accorder. Le panel, c'est de 15h, il y a 15h à 16h30. OK. Et donc là, on a débordé le temps. Le collègue, on va lui donner juste peut-être 5 minutes pour qu'il nous présente rapidement ses résultats. Okay. Vraiment désolé, le temps est bien reparti. Il faut respecter son heure de passage, sinon autrement, ça nous crée des difficultés. Maintenant qu'il a réussi à partager son écran, je pense qu'on va lui donner la parole. Qu'il nous reste 28 minutes. Ah, OK, d'accord. Donc, on peut lui donner la parole. Alors. Voilà, donc, soit vous avez 10 minutes pour présenter vos travaux. Alors, ma contribution s'intitule le pseudonyme sur Facebook, une autre série de sujets discutifs par des groupes de Haraga. Dans ce projet, nous nous sommes intéressés aux autonymes utilisés par les internautes algériens intéressés à la Haraga sur le réseau social Facebook et à leur discours. Nous pensons que les identifiants sont des stéréotypes ayant un rapport à la thématique de l'Harga et que leur signifiance implique le nommé et participe à la construction de son ethos discursif. Notre problématique est basée sur le questionnement suivant. Comment ces Facebookers intéressés à la Harga construisent-ils leur nom en falsum? Quel degré d'importance accordent-ils au stéréotype Harag? Utilisent-ils d'autres stéréotypes ayant le même sens que Harag? Si oui, lesquels? Que représente-t-il? Ce phénomène de stéréotypisation relatif à la thématique Al-Harga apparaît-il dans leurs publications? Quel autostéréotype, autrement dit l'image de soi et hétérostéréotype, image de l'autre, sont construits dans ces publications? Pour mener à bien notre investigation, donc nous avons l'objectif suivant, qui est un objectif double. Donc, dans un premier temps, nous allons détecter les stéréotypes utilisés par les membres des groupes Haraga sur Facebook dans la création nomastique de leur autonyme. Dans un second temps, nous nous intéresserons aux stéréotypes qui émanent de leur publication. Dans les deux cas, c'est l'image de soi que nous tenterons de mettre en exergue. La méthodologie de recherche est la collecte de corpus. Alors, nous allons travailler sur deux corpus pris des groupes Facebook intitulés Haraga des Z et Empire Haraga. Le premier corpus est constitué de 105 pseudonymes et le deuxième comporte 21 publications écrites relevées sur notre compte Facebook sous l'identifiant ma thèse SDL. Nous allons adopter l'approche statistique descriptive qui nous aidera à mieux cerner la création du nom en falsum pour l'étude du premier corpus. Et l'approche descriptive associée à la méthode analytique utilisée dans l'analyse du discours pour mener à bien l'étude de notre deuxième corpus. L'approche descriptive nous permettra de déceler la thématique et les mots-clés du discours qui vont nous aider à comprendre le texte. La méthode analytique, quant à elle, elle permet de comparer plusieurs discours pour repérer les points de divergence et les points de ressemblance. Analyse des pseudonymes. Alors, l'analyse des pseudonymes a fait ressortir deux catégories. Alors, nous avons dans la première les pseudonymes stéréotypes et dans la deuxième les pseudonymes proprement dits. Dans la première catégorie, les pseudonymes stéréotypes, donc elle est la plus redondante et nous avons au total 92 autonymes contre seulement 13 autonymes de la catégorie des pseudonymes. Cette catégorie des pseudonymes stéréotypes a été subdivisée à son tour en deux autres sous-catégories. La première, les pseudonymes ad hoc au thème, c'est-à-dire elle rassemble les autonymes, l'ensemble des autonymes qui sont conformes à la thématique du groupe. Et la deuxième, les pseudonymes ad hoc au contenu du discours qui renferment l'ensemble des autonymes conformes au contexte. L'analyse de la première sous-catégorie, c'est-à-dire les pseudonymes ad hoc au thème, a fait ressortir cinq autres sous-catégories.
et qui sont, alors nous avons les pseudonymes composés du stéréotype harag plus le nom de lieu, comme par exemple Harga Oran, Harag 31 Toulouse, Harraga Italie, ainsi de suite. La deuxième sous-catégorie harag plus un prénom ou un surnom du nommé, comme Rami Harag, Med Harag, Mounir Harag, etc. Nous avons également Harag plus un nom d'ethnie, comme Harag Ziri, Harag Harag Rif et Harag Jezairi en arabe, Harag plus un diminutif et la catégorie autre. Nous remarquons que la catégorie la plus représentée est celle qui est composée du stéréotype Harag plus le prénom ou le surnom du nommé avec 20 unité. Elle est suivie par la deuxième catégorie qui renferme le stéréotype harag plus un nom de lieu. L'analyse des pseudonymes ad hoc au contenu du discours a fait ressortir quatre sous-structures et qui sont autonymes incluant le nom de lieu désiré tels que Panama, Panama, Italia, Miamor, Padova, Italia, Bahashir, Europa, etc. Autonyme incluant le nom du moyen de transport utilisé, tel que Yessin, Yamaha, Loraniz, Popico, Dudo, Suzuki, etc. Autonyme incluant le stéréotype Al-Ghorba ou Hijra en français, l'immigration, comme capitaine Al-Ghorba, Al-Ghorba Khelmi, Al-Ghorba Tunedi, etc. Et la catégorie autre. Donc nous remarquons que la catégorie la plus représentée et celle qui renferme l'autonyme incluant un nom de lieu désiré avec 19 unités, soit 18,09% de la totalité du corpus. Alors, tous ces pseudonymes que nous venons de citer, que ce soit les pseudonymes ayant un lien avec la thématique des groupes ou avec le contenu de la production discursive, servent à présenter le nommé, c'est-à-dire à donner une image de sa propre personne. Il peut être ainsi considéré comme un éthos très discursif. Bon, je ne vais pas trop m'étaler à lire les exemples. Je vais passer à l'analyse des discours des internautes membres du groupe Harraga DZ. Alors, pour analyser le discours des internautes, nous les avons classés en deux colonnes. Dans la première colonne, nous avons mis les discours qui représentent l'image de l'Algérie et des Algériens, autrement dit l'autostéréotypie. Et dans la deuxième colonne, nous avons mis les discours qui représentent l'image de l'autre, c'est-à-dire des pays occidentaux, hein, des pays de l'Europe et plus particulièrement la France, autrement dit l'hétérostéréotypie. Les discours qui sont mentionnés dans la première colonne, nous remarquons que ces écrits renferment un lexique stéréotypant l'Algérie perçue comme un pays pauvre et les Algériens comme des hypocrites. Les mots et les expressions relatifs à la fuite, la harga, hein, en arabe, se trouvent dans tous les discours. Le dernier jour, naharak dini, c'est-à-dire emmène-moi en français, partir, le dernier ramadan, etc. Donc la persistance de ce cliché donne une vision négative de leur pays et accentue ainsi l'idée que la misère est inhérente aux pays africains d'une manière générale. L'analyse des discours qui figure dans la deuxième colonne, c'est-à-dire l'image de l'autre. Cette image de l'autre, de l'Europe, des pays occidentaux, est représentée par des mots stéréotypant cet autre comme un pays riche, autrement dit l'Eldorado, où tous les rêves peuvent être réalisés. Le lexique utilisé par les usagers donne une vision positive des pays occidentaux d'une manière générale et la France d'une manière particulière. Donc, nous trouvons cela avec les exemples Bled el-Kher en arabe. Donc, en français, c'est pays de la richesse. Bahibak Paris, c'est-à-dire je vous aime Paris, etc. Je t'aime Paris, plutôt, etc. Ainsi, dans le discours des internautes. Il vous reste 2 minutes. D'accord. D'accord. Donc, je vais passer directement à la conclusion. Alors, nous nous sommes intéressés dans cette contribution au procédé de stéréotypisation utilisé par les internautes membres des groupes de Harraga sur Facebook, à la fois dans la création nomastique de leur nom en falsant et dans leurs écrits numériques. À travers l'étude d'un corpus comportant 105 pseudonymes, nous avons trouvé que la majorité écrasante des autonymes utilisés dans ces groupes sont des stéréotypes et des autostéréotypes de la harga. Le choix de ce type d'appellatif se justifie par le désir de l'usager de fuir l'endogroupe pour rejoindre l'exogroupe. Cet ethos aspiré de nos internautes est confirmé dans leur discours stéréotypé et qui correspondent à une image négative de l'Algérie contre une image positive des pays occidentaux. De tout ce qui
précède, nous pouvons dire que le stéréotype harak utilisé sur le web social est né à partir de préjugés fondés sur la comparaison entre le soi et l'autre. Harak permet de justifier nos propres attitudes négatives envers notre société. Ce sont nos représentations négatives vis-à-vis des pays de l'Afrique qu'est né le désignatif harak. Il s'agit d'une relation de cause à effet. Ainsi, le stéréotype harak est l'action qui peut avoir lieu ou qui a déjà eu lieu et qui est le résultat des préjugés quand les jeunes internautes vis-à-vis de l'Afrique d'une manière générale et leur pays d'une manière particulière. Le stéréotype harak, dans ce cas, possède les caractéristiques suivantes. C'est un auto-stéréotype prédiscursif qui présente le porteur avant même d'entamer sa discussion. C'est un antonyme économique puisqu'il nous évite les éventuelles justifications. Le mot harak résume une suite d'un lieu pour rejoindre un autre. Enfin, c'est un signe performatif puisqu'il comporte en lui-même l'action d'un harak. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Merci à vous. D'accord, donc on continue avec les échanges. Kizito, oui. Était de retour. Vous êtes toujours là, Kizito? Oui. Okay. Je suis de retour. Voilà, donc on va demander au professeur et à Armando de vouloir reprendre la question pour que Kizito puisse procéder aux réponses. OK. Alors, oui, ma question à Kizito, c'était le pourquoi de son étude. Hein? Qu'est-ce qui a motivé cette recherche scientifique? Parce que je ne percevais pas bien le problème de recherche. Parce que pour moi, c'est une évidence que, pour lui en tant que pharmacien, c'est une évidence que si un produit pharmaceutique n'est pas bien conservé, c'est une évidence que ça va impacter la qualité du produit. Donc, faire des études comparatives sur des produits bien conservés et des produits mal conservés, c'est évident qu'on va aboutir au résultat auquel il est parvenu. Donc, c'était quoi le pourquoi de son étude? Merci. D'accord. Je peux répondre? Allô? Oui, vous pouvez répondre. Allô? Ouma, il peut répondre, oui. Vous pouvez. Oui, allez-y. En fait, le pourquoi de mon étude, c'était d'abord pour mettre en évidence le côté, aspect, surtout sur le patient. Parce que la première évidence, même s'il y a les produits sont bien conservés en officine de pharmacie, mais avec cette mauvaise habitude de la population, la majorité de la population a le réflexe d'aller en premier lieu dans les pharmacies par terre. Même s'il y a des sensibilisations de médicaments mal conservés, mais le premier réflexe, ils vont se dire qu'en pharmacie, les produits sont moins chers. Donc, moi, mon attention ici, mon premier réflexe, c'est d'attirer, de sensibiliser, de mettre en évidence cette étude au profit du ministère de la Santé pour qu'il y ait une grande sensibilisation au niveau des populations, pour qu'il y ait un réflexe, un changement de mentalité, puis prendre leurs produits en officine, vu que là-bas, c'est de qualité, surtout que ce produit est un produit important parce qu'il est utilisé dans le traitement des maladies chroniques. C'est juste, moi, c'est ce problème-là que je veux le faire ressortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vu, on a tendance à dire que oui, c'est plus le médicament de la rue, mais on ne met pas l'accent sur le consommateur. Alors qu'on ne met pas l'accent sur la sensibilisation auprès du consommateur. Parce que ici, le premier réflexe, c'est qu'ils ne vont pas directement en pharmacie. Hein. Ils se disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, beaucoup d'argent. Ils vont en pharmacie par terre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question du professeur. Oui, je pense que ça va. Peut-être qu'en off après, on pourra échanger davantage. Sinon, d'accord. Ça va pour moi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mais je crois qu'il y avait d'autres questions aussi qui t'étaient destinées. Moi, j'avais posé une question. Il y a Armando aussi qui avait posé une question. D'accord. Ma question, c'était par rapport aux tests statistiques que vous avez utilisés, les tests de Welch. Qu'est-ce qui a motivé l'utilisation de ces tests?
D'accord, je peux répondre? Vous pouvez répondre, vous pouvez répondre, bien sûr, oui. D'accord. Au fait, le test statistique de Welsh, c'est au niveau de la population d'études, 300 échantillons. C'est, au-delà de 30 échantillons, on peut utiliser le test statistique de Welsh. C'est le nombre d'échantillonnages qui nous a permis d'utiliser ce test statistique. OK. Sinon, dans certains documents, le test de Welsh est utilisable lorsque le test de Welsh est utilisable lorsque les variances sont différentes. On fait au préalable un test de dégâter les variances. Si les variances ne sont pas égales, on procède au test de Welsh. Si les variances sont égales, comme c'est des échantillons, on peut continuer avec le test de Sudan. D'accord. Merci pour l'information. D'accord. Okay. Armando est là. Oui, je suis là. Alors, vous avez posé une question. Oui. Alors, je voudrais demander à Dr. Kizito. Oui. Est-ce qu'une telle étude veut automatiquement dire qu'il est avéré que lorsque les médicaments sortent du laboratoire, il y a une partie qui est destinée aux pharmacies et une autre partie qui est destinée à la rue? D'accord. Moi qui pensais que c'est lorsque les médicaments étaient périmés qu'ils finissaient par se retrouver dans la rue d'une façon ou d'une autre, mais là, tel que je vous entends organiser votre étude, c'est à croire que les médicaments ont deux destinations différentes. Voici ma question. D'accord. Moi-même, étant pharmacien, je ne comprends pas le circuit officiel qu'on donne aux connaisseurs. C'est le circuit c'est le circuit d'approvisionnement normal. Mais en dessous, moi-même étant pharmacien, je ne comprends pas pourquoi ces médicaments aussi se retrouvent en officine et en pharmacie pâtée. Sinon, logiquement, le circuit dit que normalement, quand il y a les médicaments, automatiquement, ça chemine au central d'achat privé, et puis les officines de pharmacie. Mais ça, c'est le circuit officiel que tout le monde connaît. Mais il y a un circuit officieux. Moi-même, je suis étonné aussi, je vois aussi que pendant l'étude, je retrouvais aussi ces mêmes médicaments sur le terrain. Vous voyez? Donc là, c'est la réponse que je peux donner au niveau de ce problème. Oui. Peut-être que si je peux réagir rapidement, si le temps nous permet, sur cette question. Je crois que c'est le sens aussi des colloques. Il y a un collègue sociologue de l'université Faubourg qui a fait un travail là-dessus, sur le circuit illicite là. Et je crois que l'une des raisons, c'est souvent, les acteurs, les principaux acteurs dans ce circuit, c'est parfois certains acteurs du corps médical qui, parfois, quand peut-être un patient venait à décéder à la suite de l'achat de médicaments qu'il n'a pas pu utiliser, les parents soient en lien, en complicité ou en lien avec certains acteurs du corps médical arrivaient vraiment à l'écouler sur le marché noir pour pouvoir leur permettre de peut-être rentrer un peu dans le fond. Et aussi, je crois que même le ministère de la Santé avait commandité en son temps, c'était au temps de la ministre Raymond Goudou, je crois, un travail aussi sur ce réseau mafieux-là. Mais je vous avoue, vous le savez bien en tant que pharmacien, c'est un réseau bien, bien huileux et c'est un réseau, très corsé aussi. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, en Côte d'Ivoire, on a même démantelé des officines de fabrication illicite de médicaments par des Chinois et des Indiens. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Exactement. Alors, voilà, il y a de gros réseaux et ça doit être entretenu du haut niveau, certainement, parce que les acteurs ne peuvent pas s'installer et faire ça s'ils n'ont pas de soutien. Donc, en gros, peut-être que ça doit vous pousser aussi à peut-être étendre vos recherches dans ce sens. Et vous, en tant que pharmacien, ça,
pourrait peut-être aider à éclairer et à la lanterne sur ce défi-là. C'est un gros défi aussi pour l'Afrique. C'est un gros cri en termes de santé pour nos populations et nos communautés. En tout cas, merci infiniment. Je retourne la parole à M. Oumar pour qu'il puisse peut-être conclure s'il n'y a pas d'autres questions à répondre. Ah, je pense que le professeur Amara avait posé une question aussi à l'endroit de notre ami gabonais sur l'approche ambivalente par rapport aux personnes âgées. Voilà. Donc, est-ce que Sylvie est là? Donc, si Sylvie n'est pas présente. Hein. Voilà. Donc, après, juste après, Sylvie, on va donner la parole à Alex Claudio. Claudio. Je suis là, monsieur le modérateur. Mais je pensais avoir déjà répondu au professeur. Ah, ok, d'accord. Donc, oui, il a répondu à cette question. Merci. Donc, on donne la parole à Alex Claudio. Oui, merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais aussi, par rapport à cette question de marché, la question illicite de médicaments, c'est aussi le même cas à Madagascar concernant ce genre de vente illicite et ce circuit qui frôle sorte de réseau mafieux de vente de médicaments. Et je ne sais pas si c'est le même cas chez vous, mais ici à Madagascar, à Tananarive par exemple, Les vendeurs sont vraiment aux yeux et au-dessus de tout le monde. Il y a même des gens qui portent des boîtes de médicaments et qui te suivent partout dans la rue. Est-ce que vous voulez acheter des médicaments, monsieur, et tout ça. Et même paradoxalement, les pharmacies officielles, lorsqu'ils ont en rupture de stock, il y en a même ceux qui s'approvisionnent chez les vendeurs illicites médicaments. Et donc, je me demande bien, est-ce que ce serait le même cas dans la zone d'études que vous avez travaillé? Merci beaucoup. Ok, nous avons 5 minutes. Voilà, je pense que la question est à l'endroit du Quisito, toujours. Oui, exactement. Moi, je connais des officines de pharmacie qui vont s'approvisionner aussi à Djamé. Hein. J'en connais. C'est ceci même qui a boosté aussi cette étude, cette réalisation de l'étude. C'est cette observation qui m'a même boosté à faire cette étude. Et je voulais essayer de voir la répartition des teneurs d'un produit et sollicité par les prescripteurs qu'on retrouve si les mêmes répartitions étaient équitables ou forcément. Je voulais essayer de voir un peu la répartition vu qu'il y a d'autres officines pharmaceutiques qui vont s'approvisionner. C'est ça. Donc, ça devient très intéressant si vous mettez en avant ce constat dans votre travail. Et donc, ça, d'accord. On souhaiterait que, par exemple, pour la monture définitive du document que vous allez produire pour les actes du colloque, là, que vous partiez d'accord. de ce constat pour mettre d'accord. en avant cet argument-là comme élément qui justifie ou qui suscite l'étude que vous avez réalisée. Merci beaucoup. Merci pour ça. OK. Si c'est bon, je pense que Armando avait posé une question à Seguir Swad. Ou bien la question a été répondue? Non, ça va. Et j'ai eu la réponse. Merci. Ah, OK. D'accord. Sinon, nous avons du temps encore. Nous avons 5 minutes encore. Voilà. Donc, la parole est à qui veut la prendre? Alors. OK. En tout cas, peut-être qu'on va donner la parole à Oumar pour faire sa conclusion et on va retourner la parole après à Ghislain pour que très rapidement, on puisse repasser au panel suivant. Oumar, si vous avez un mot de fin pour conclure votre panel. Merci. D'accord, oui. Je vais profiter de l'occasion pour remercier tous les communicants et les intervenants qui ont permis d'animer ces panels. Voilà, merci pour les brillantes présentations. Merci pour les brillants exercices. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, bonne soirée.
OK, merci infiniment à Oumar de nous avoir donné ce coup de main là pour modérer ce panel. Je viens vers Ghislain pour qu'on puisse embrayer pour entamer immédiatement le panel suivant. Ghislain, vous avez la parole maintenant. Merci au professeur Oumar qui a bien voulu accepter de modérer cet avant-dernier panel. Nous passons donc au dernier panel de cette journée, le panel numéro 10, qui devrait être modéré par le professeur Bawa Habib de l'Université de Lomé au Togo. Donc, je voudrais savoir si le professeur est là. Professeur Bawa Habib est là pour pouvoir modérer son panel. Ici, les communicants de ce panel sont disponibles. Oui, on voit qu'il y a le premier communicant qui est en train d'afficher déjà son écran. Non, il n'est pas de... Non, celui il n'est pas de... Non, il n'est pas c'est de... Le panel, oui, c'est le 49, non, je crois. Oui, 49, c'est le panel qui vient de s'achever. Ah, c'est le panel qui vient de s'achever? Oui. OK. Donc, mais il tient... D'accord, il mettait du temps à pouvoir se... Allô? Vous m'attendez? Allô? Oui, on vous attend. On est rentré dans un autre panel, malheureusement. C'est le vôtre, je crois, qui vient de s'achever. Ah, OK. Puis-je commencer maintenant? Nous sommes au panel 10. Peut-être oui. faudrait-il qu'on avance d'abord s'il y a quelques minutes. D'accord. OK, allô, cher oui, votre panel vient de s'achever. On est dans le panel 10. On va voir si les communicants sont là. Ils vont communiquer. Si on a un peu de temps, on vous donne la parole. À défaut, on vous revient incessamment. Ah, c'est okay. Le lieu pour nous de voir est-ce que les panélistes, les communicants du panel 10 sont là. Veuillez lever vos mains pour qu'on puisse... Je suis là. Voilà. Le panel 49. 49, OK. Panel 49. Non, le panel 49. Non, le panel 49, on vient de l'achever. C'est ça qui vient de prendre fin. Il est 15h. Bon, Ghislain, ce qu'on peut faire... Donnons-lui la parole en même temps rapidement, le temps de relancer les autres collègues du panel suivant, s'il d'accord, vous plaît. D'accord. Oui, oui. Et cher ami, oui, partagez-nous votre écran et vous pouvez faire votre communication rapidement, s'il vous plaît. Il avait du mal à se connecter, maintenant qu'il a pu, je pense qu'on va être indulgent et lui donner la parole. D'accord. Nous attendons que vous partagiez votre écran, s'il vous plaît, très rapidement. Il avait réussi à le faire. Monsieur Rateraji, allez-y, on vous écoute. Et puis, les communicants du panel suivant s'apprêtent, se préparent pour pouvoir, si le procès est là, Notre ami, il est parti. Monsieur Jim. Allô, est-ce que tu pouvais commencer maintenant? Oui, allez-y. Vous pouvez commencer, c'est vous qu'on écoute. On vous attend. Partagez votre écran et commencez, s'il vous plaît. Ah, OK. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vais commencer par féliciter l'organisation. Et comme l'indiquait, je suis... doctorant en sociologie à Tananarive, je vais partager l'enjeu et problème de l'institutionnalisation de la sociologie au sein de la société d'Antananarive. Et je vais entrer tout de suite dans le vif des sujets. Et comme plan, je choisirai le plan
il me aide à les classiques. Et donc, par constatation, on constate, surtout entre 2020 et 2021, une timidification du travail de recherche sociologique locale au sein de la communauté d'Antananarivo, malgré déjà 53 années d'existence de cette discipline. Et donc, l'objectif dans cette communication, c'est de partager du résultat de ma recherche au sein de cet espace social-là, qui est commencer par la problématique, qu'est-ce qui fait défaut l'institutionnalisation de la sociologie à Antananarivo. Et donc, l'institutionnalisation là, c'est à partir de ce que je veux dire, l'institutionnalisation réelle au sens sociologique du terme. Et comme hypothèse, je proposais deux hypothèses qui explique pourquoi cela fait défaut. D'abord, c'est la méconnaissance de cette science. Et ensuite, la deuxième hypothèse, ce serait de la mauvaise représentation de cette science, de cette discipline qui est peu glorieuse avec l'université. Comme méthode, parce que je suis chercheur, j'ai opté pour une démarche recherche-action participative qui consiste à évaluer ce qui se passe, ce qu'on fait, les activités, et d'en proposer des solutions ou de réconforter les tentatives des entreprises. Et là, dans un cadre structuro-fonctionnaliste proposé par le sociologue américain Talcott Parsons, qui commente surtout la normalisation et la valorisation de sujets sociaux par une institution sociale donnée dans une communauté précise. Et comme Antananarivo est la capitale de Madagascar, qui s'étend à 86,4 km², et qui avait à peu près 3 millions d'habitants selon le recensement dernièrement, et qui avait quelques stations radio, 66 stations radio, 13 stations télévision et des dizaines de presse écrites quotidiennes. Et dans ce qui se passe dans cette communication, le résultat que je veux présenter, il y a deux techniques vivantes que j'ai opté pour le rassemblement de données, c'est les recueils des documents et des rapports officiels des activités médiatiques à Antananarivo, et aussi des sondages auprès de 100 personnes. Et comme résultat, il y avait trois résultats qui étaient déjà explicités à partir des hypothèses. C'est que les masses médias en Antananarivo sont contrôlés, presque 90% des masses médias sont contrôlés par 13 groupes industriels de l'audiovisuel. Et ces 13 groupes industriels appartiennent tous, sauf deux, à des acteurs politiques comme président de la République, ministre, opposants politiques, etc. Et on découvre aussi, on constate une sorte dans la dynamique médiatique à Antananarivo, les émissions ou le pass de divertissement qui dominent en fait dans les attentes sociales. Et donc des émissions et des pages aussi dans les journaux presse écrite, des logorées politiciennes qui dominent en fait les activités. Les attentes sociales, ce sont le divertissement, et les activités, ce sont les logorées politiques qui s'étendent jusqu'à 12 heures, 6 heures d'émissions radiophoniques parfois. Et on a aussi pu constater que les recettes médiatiques, l'argent qui entre dans les médias, c'est seulement à partir de publicités commerciales et de coûts d'invitation. Et aussi, une quatrième constatation, c'est que le journalisme malgache sont peu rémunérés. Et la représentation sociale locale de l'université, c'est que la réussite universitaire, autrefois à l'époque coloniale et aux Premières Républiques, est toutefois récompensée par un embauche gouvernemental. Et le bourgeois actuellement, le bourgeois malgache, ils envoient leurs enfants à étudier à l'étranger. Et un autre résultat qu'on peut découvrir aussi, c'est que à partir des grèves 1972, qui étaient initiées par des universitaires en Antananarivo, et surtout les sociologues et les médecins, et les intellectuels comme les écrivains, les poètes. Il vous reste deux minutes. Faites une économie de vos résultats, s'il vous plaît. N'ont pas réalisé les objectifs fixés. Et ainsi, comme conclusion de ces résultats, il y avait
c'est que qu'on peut dire que les intelligentsia malgaches représentées par les journalistes servent plutôt l'intérêt politique des patrons de presse que les idées polarisées. Et que la connaissance sociologique par rapport aux divertissements n'intéresse pas l'opinion. Et les sociologues chercheurs ne disposent pas de fonds nécessaires pour s'investir dans les débats et de la représentation sociale de la sociologie. C'est que actuellement, il y a un phénomène que je propose de nommer l'imposture des diplômes, que nous savons tous que bon, les diplômes ne représentent pas vraiment cette dimension académique qu'ils supposent, mais juste pour être admis aux fonctionnaires. Et donc, comme discussion, il est très intéressant cette institutionnalisation qu'on le fasse parce qu'elle assure la souveraineté gouvernementale, la cohérence administrative et la pratique de la sociologie elle-même. Et il faut souligner quand même qu'il y a des supports existants en Madagascar. Hein, et comme prospective, je propose en fait l'autopromotion à travers les engagements que les gens. Et c'est ainsi que je crois pouvoir achever mon intervention. Merci pour votre aimable attention. OK, merci infiniment, cher collègue, pour cette présentation. Merci beaucoup. Okay. Je pense qu'il y avait beaucoup de tentatives infructueuses pour vous connecter. On va enchaîner avec les communications du panel 10. Et après, on fera les échanges ensemble. On vous posera les questions quand les présentations du panel 10 vont s'achever. Donc, nous demandons aux participants qui ont des questions pour notre ami qui vient de présenter.